C'est au sujet de vos enfants. Comment ça, mes enfants? Oui. Ouais, mais j'en ai qu'un des gosses. Vous me connaissez? Non, pas du tout. Je suis Edmond Batignol. Ah non, je vous connais pas. Je suis charcutier traiteur. Ouais, et alors? On nous a volé la camelote. Ouais, et alors? On m'a volé mes jambons. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des jambons? Et moi, c'est tout, on m'a volé mes jambons. Ouais, et alors? C'est au sujet de vos enfants. Bah, je vous dis, vous êtes trop peu de numéro, j'ai qu'un gosse, moi. Ça aussi, on peut en discuter. Ouais, c'est quoi? Quoi? Parle après le bip. Ah, parle après le bip, c'est pas mal. C'est fort, ça. T'as appris par la maman. J'aime beaucoup. Est-ce que tu sens que le mec peut partir très loin et peut s'énerver très vite? Oui, énervé et énergie. Ouais. Mon seul intérêt dans la vie, c'est de gagner de l'argent. Vous me l'avez fait la grappe. Je lui dis, vous êtes trompé de numéro, vous êtes trompé de numéro. On m'a volé mes jambons. C'est qui ton jambon là? Parce que là, toi, ton jambon, t'as volé, mais toi, t'en es vraiment un des jambons pour me casser les couilles comme ça. Tu je te connais pas, tu viens m'adresser là, quel jambon? Déjà la foutre, tes jambons de merde, moi. Moi aussi, je commence à en avoir marre de toi. Vas-y, donne-moi une adresse, je vais monter, je vais te montrer qui suis, moi. Pour ça, je sais, vous prenez pas pour n'importe qui. Un bonhomme, t'auras compris quand que je t'explique, tu t'es trompé de numéro là. Et où tu te crois là? Moi, je t'emmerde. D'accord. Et moi c'est tout, on m'a volé mes jambons. Ouais, un peu petit, bah appelle la police. Très bien, moi j'appelle la police. Ouais, bah appelle la CIA aussi. Et où tu te crois là? Ouais, je t'emmerde. Ah bah dis donc, il est tout en classe hein. Ouais, mais j'ai un genou, il cherche quand même. Oui, il cherche et il va même le trouver le monsieur, tu vas voir. Ouais. Je peux vous dire que vos vacances, elles risquent de se terminer en autre boudin. Putain, c'est pas possible. Je te dis, tu te connais pas, que tu viens de casser les couilles. Ça, je sais, vous prenez pas pour n'importe qui. Je te dis, mon grand, c'est toi, t'es en train de jouer avec un. Un peu là. Y'a pas de fumée sans feu? Ouais, ouais, bah moi je vais te faire plomber tout à l'heure, tu vas comprendre toi, fumée sans feu. Moi aussi je commence à en avoir marre de toi. Mais sors pas mes gonds parce que si je monte te voir, ça va te faire tout drôle. Chochotte! Chochotte, tu vas voir si je viens, tu vois, chochotte, comme je vais pas mettre moi. C'est fini ce temps là, mon petit Gérard. Quoi? Ah, je m'appelle pas Gérard pour ta gouverne. C'est possible. Hé, hey, gouverne, j'habite dans la survie depuis 1984. Ok. Voilà, d'accord? Moi je ne suis qu'un petit commerçant, quoi, mais c'est pas une raison pour nous mépriser. Et alors? Moi aussi j'ai une entreprise, c'est une entreprise de peinture, ça n'a rien à voir avec du jambon. J'accuse pas, remarquez. C'est quel, c'est quoi le nom de la boucherie là? Je suis Edmond Batignol. C'est devant quel magasin? Chameau. Quoi Chameau? Ouais. Devant la boutique Chameau? Ouais. D'accord. Il note. Ouais, c'est près d'où là? Dans mon immeuble, Rue Civel. Rue Civel. Ok. Vous êtes là, ça tombe? Ouais. Bah, monsieur Batignol, j'arrive. S'il vous plaît. Bon, on va voir ma tête et on va régler le problème. Allez. A tout de suite. Ça va être du n'importe quoi ici. Quand on est énervé, ça soulage. Allô? Est-ce qu'il est encore là? Bah je sais pas, vous demandez qui? Il est très important que je lui parle. À qui? Mais je sais aussi que vous travaillez pour lui. Qu'est-ce que vous me racontez? D'accord, je sais que vous n'êtes pas le vrai Père Noël. Ah bon? Eh ben faut faire le bon numéro, parce que là c'est pas le bon numéro du Père Noël. Mais je sais aussi que vous travaillez pour lui. Tu crois encore au Père Noël? Madame, je n'ai que 8 ans, vous savez. T'as 8 ans? Je suis Kevin McAllister. Comment ça s'écrit ça? C'est pas français? Grosse patate! Et toi, t'es un petit morveux. Pourquoi? Bah parce que tu me dis grosse patate et quand je te demande si ton nom il est français, tu me réponds pas. Ah, descendez, hein. Tu sais même pas écrire, je suis sûre. Toi, la ferme! Bah toi aussi, la ferme. Oh arrête, t'es pas cap. T'es pas cap de quoi? Tu vois, t'es tout cinglé, t'as un problème dans ta tête, hein, mon petit gars. Oui, et moi je ne veux plus te voir avant la fin de ma vie. Salut. Allô? Eh, hey, vous abandonnez ou vous en voulez encore? Oh, ça va pas continuer longtemps? Je suis pas un idiot. Oui, bah si, apparemment t'es un idiot, mon petit gars. Ah, non. Bah dis donc, et qu'est-ce que tu fais? T'es pas encore à l'école? Essaye de m'y forcer si tu veux vraiment que je le fasse. Oui, bon, bah alors va en psychiatrie, mon petit gars, hein. Et à part ça, je suis en pleine forme. Allez, va te faire soigner, hein. Toi, la ferme. Oh, eh, merdasse, hein. Ose patate. Merde, je t'ai dit, t'entends? J'espère ne plus jamais vous revoir, voilà. Alors c'est toi qui veux essayer de me tuer pour te faire une réputation, tu es venu pour ça, c'est ça? C'est qui là? Mais je te signale que ça ne va pas être du gâteau. Bah vas-y, dictez. J'ai peut-être l'air gâteux, mais j'ai plus d'affaires dans mon sac. Ok. Moi, ouais, je suis chaud, va poisser c'est tout, hein. Ouais, le délire, dis-moi qui t'es et casse pas les couilles. Comment vous vous dites? Bah ça fait 3 fois que tu m'appelles. Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas, un peu chaud? Vas-y, au lieu d'ouvrir ta gueule derrière ton téléphone, dis ton blague. Si tu désires prendre des leçons avec moi, il faudrait que tu m'amènes une petite fille gentille.
Allô. Et alors, j'ai besoin d'un peu de tendresse, moi aussi, juste un petit bisou ou quoi. Attends, déjà, tu vas te calmer tout de suite, tu me parles pas comme ça, ok? Bah, j'ai peut-être été un peu fort. Ouais, et... Tu n'aurais pas oublié quelque chose par hasard. De quoi le taser? C'est quoi le taser? C'est le style tortue, c'est tout à fait à la mode. Non, je vois pas, non. Pour atteindre au sommet dans les arts martiaux, il faut savoir s'élever au-dessus du niveau de l'humain, et c'est là où ça devient très difficile. Ouais, tu veux me dire? Oh là 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 là. Bon, bah, c'est quoi, je raccroche et rappelle vers 7h, ok? Bah, c'est parfait, c'est très très bien, c'est parfait. Allô? Mais dis-moi, fiston, la fille qui t'accompagne, là, c'est une idée ou elle a un peu rétréci? Bon, tu te fous de ma gueule, je crois que je suis un mec ou quoi? Non, pas vraiment, mais il faut que je me mette sur mon 31, hein. Eh, tu veux quoi? Nous allons faire les livraisons du lait. Ouais, ok, ouais. Exactement, c'est un excellent exercice. Bon, tu veux quoi? Pourquoi tu recommences à m'appeler? Oh, si vous saviez le plaisir que j'ai à vous revoir. Ouais, ouais, et tu veux dire quoi en fait? Oh, mon petit doigt me dit que ça va être très dur. Et dis-moi ce que tu veux, dis-le-moi, ouvre ta bouche, dis-moi ce que tu veux dire. Ils viennent seulement de commencer l'entraînement, ouais. Mais je pense qu'ils sont promis à un brillant avenir. Ils ont des dons. Mais je m'en fous de je sais pas quoi que tu me parles, j'en ai rien à foutre. Oh, bidi bidi badabloubi, bidi 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 bab. C'est quoi, je raccroche, j'ai des trucs à faire, ok? Badi bédé! Hein? Pas bédi bédé, 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 bédé! Ma gueule! Badi bédé, bédé, badi bédé! Yeah, yeah! Tu sais que t'es un connard, je t'ai cramé, là! Mais non! Si, hein! Je t'ai cramé, c'est bon! Enfin, puis un petit peu, quoi! Vas-y, c'est bon! Allez, c'est parti, mon kiki! Allô? Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? Ah, moi, je vous entends très bien! Répondez, est-ce que vous me recevez? Eh ben, je vous réponds! Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Je comprends rien à ce que vous dites. Tu te moques de moi? Ben non, je comprends pas. Non, je comprends pas, là. Qu'est-ce que vous dites? Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Mon médecin? Je dois réparer mes turbofusées. Réparer quoi? Je viens en paix. Ben, en paix, alors alléluia, alléluia. Allô, je vous écoute, mon cher. Je suis Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, oui. Ranger de l'espace, protection universelle. Ça je m'en tape. Je défends la galaxie contre la menace d'invasion de l'infâme empereur Zurg, oui, ennemi juré de l'Alliance Sidérale. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je souris toujours parce que j'ai passé un très bon week-end. Vous marchez encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la cristofusion? Moi, c'est au whisky. Tu te moques de moi? Non, loin de moi. Non, je respecte les extraterrestres, hein. Merci. Allez, je vous salue, monsieur. Alors, salutations. Arrivederci, guten Tag. Merci. Buenas noches. Oui? J'ai connu une tête de bois qui m'a appris que la vie ne valait d'être vécue qu'à travers l'amour d'un enfant. Non, je suis un travesti. Dois-je comprendre que tu souhaites te plaindre à Star Command? Je veux te plaindre. Star Command, répondez, est-ce que vous me recevez? Parle-moi. J'ai besoin de t'entendre, le silence me fait peur, je n'entends plus que mon cœur. Merci à tous pour cet accueil mémorable. Allô? Je voudrais appeler Londres. Vous voulez appeler Londres? Oui, c'est exact. Ah, mais vous trompez le numéro, là. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à Londres, là, vous êtes à 7. Hein. Numéro quoi? À 7. Hein. Quel est l'indicatif de celui-ci? 0467. Qui est le numéro 1? Qu'est-ce que vous cherchez là? Où est le numéro 1? Le 1? Oui. Je comprends pas ce que vous voulez me demander là. Vous cherchez Londres, vous cherchez... Qui vous êtes là? Je suis le numéro 6. Vous n'êtes pas en train de dire des conneries là? Je ne vous dirai rien du tout. Oh, va te faire raser, voilà. Hop, 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 hop. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Il va être vulgaire, grand-père. Eh ben ouais, mais justement, on le relance, on lui demande le numéro 1, on lui demande Londres. Oui. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me barricoler là? J'ai pas le temps à perdre, moi. Qu'est-ce que vous cherchez là? Où est le numéro 1? Là, je demande la poste. Qu'est-ce que je suis pas la poste, moi. Qu'est-ce que vous me demandez le numéro 1 à moi? Où sommes-nous? Oh, mais je vous l'ai dit à 7, vous êtes là. 04, vous m'avez dit que vous avez fait le 0467. Je voudrais appeler Londres. Mais vous dites, monsieur, là, il y a deux jours, vous me demandez le numéro, je vous dis, je ne connais pas Londres, moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi, si c'est pas Londres? Qui est le numéro 1? Le numéro 1, le numéro 2, qu'est-ce que vous... Je sais pas, monsieur, vous me demandez des choses que je peux pas vous répondre, moi. Est-ce que vous avez un crayon? Comment? Et un papier? Non, mais là, vous êtes en train de me prendre pour un imbécile, là, non, monsieur, là? Oui, je le sais bien. Ouais, vous faites caguer, là. Ah bah je crois que le papy est énervé. Bah moi j'ai presque peur qu'on le rappelle quoi. Bah oui, mais je crois que papy fait la résistance. Drôle. Ouais. Alors? Bon, je te mets en contact avec la police. Alors tu es en contact avec la police, allez parle là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu m'emmerdes il y a deux heures là-haut. Non.
Tu ma mère, tu me téléphones sans arrêt là-haut. Je suis au courant de ce que tu veux là. Vous savez où je pourrais louer une voiture? Oh, tu es en train de me casser les bonbons là, hein, camarade là. Ça vous donne le droit de mettre le nez dans mes affaires peut-être? Mets le nez dans tes affaires, allez, allez. De quoi avez-vous peur? Si tu étais à côté de moi là, il y aurait un temps que tu n'aurais plus rien dans le bout, hein. Et quelque chose, qu'on y est, de te foutre de ma gueule là-haut. Ça n'a aucun intérêt, je m'en vais. T'inquiète pas, cagarde, tu me fais chier. C'est dommage. Oh, il est fou, le typo. Allô? Roger? Non, c'est pas Roger. Ça permet de rouvrir le dossier de la disparition de votre fille. Quelle fille? Marie-Hélène. J'ai pas de fille, hein, monsieur. Moi, j'ai un petit garçon. Et monsieur, ben, je vous dis, bon, vous êtes trompé de numéro. Je suis pas Roger. Faites pas chier, là. Quand vous apprenez qu'elle vous a menti. Quoi, menti à quoi? Où, du ça, vous? Est-ce que vous allez jusqu'à vous dire, bon, ben, elle a fait une fugue? Là, vous m'appelez, vous me dites, il y a ma fille. J'ai pas de fille. Franchement. Ben, vous avez un problème ou quoi? Pardonnez-moi, mais. Ben, raccrochez le téléphone, merde! Comment? Oui. Selon vous, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Monsieur, vous êtes malade, hein. Je vous promets, là, si je savais là où vous habitez, là où vous êtes, là, vous me le dites, là. Au palais de justice? Palais de justice. Où ça? Je suis Angoulême? Oui. Palais de justice, d'Angoulême. Vous faites quoi, là-bas? Ça permet de rouvrir le dossier de la disparition de votre fille. Comment ça? J'ai déposé un dossier. Ma fille a pas fait... J'ai pas de fille. Comment est-ce que vous réagissez? Je réagis comment? Ça merde, moi. C'est pas fêté, quoi. Ça merde. Ouais. Jean-Michel. Mais c'est pas Jean-Michel. Alors, comment ça se passe? Tu veux qu'on se voit? Oui. Ah ben, dis-moi où t'es là? Au palais de justice. Ok, ok, attends-moi. Attends, ben garde l'écoute, hein. Je viens au palais de justice, là. C'est-à-dire? Là, tu vois, là? Oui. Là, je suis rentré dans ma voiture, là, tu vois? Oui. Je démarre, là, tu vois? Oui. T'attends le bout du moteur, je ferme ma porte, direction palais de justice. Ouais. Alors, comment ça se passe? Je suis où, là? Palais de justice, un gros con. Alors, toi t'es où? Dans le quartier de la gare de Perpignan. Tu m'as fait sortir de chez moi là. Oui. Je suis jusque là, là. Pour rien du tout. Oui. Gros con. Salopard. Gros con, je te dis gros con. T'es un gros con. C'est-à-dire que c'est un type